Donc, quoi. Thank you, Mr. President. I have no questions. However, the other witness to reminding that both witnesses the decision on them being summoned was also made on the 22nd of November, which is 8 days ago. Bringing my team, who is busy with the preparation in terms of difficulties. But that is not the most important reason. The most important reason is that 10717 is in French, available only. Is there any indication when the translation will be finished? Do you know? We don't know. We don't know. បាទអរគុណហើយយើងសាកសួរមួយមិញគឺសាកសួរ 1961 មិនមែន 1961 ទេហើយចំពោះសាកសួរ 1970 នេះយើងនឹងមានកាលវិភាកស្ដាប់នៅពេលក្រោយទៀតដោយសារមានបញ្ហាដំណងជាអាចយើងមាននៅពេលវេលាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះបាន Oui, encore une fois pour clarifier, madame mà lúc mình miên phiệp tùm nề với như có dạng mạch đảm bày xua xạ xây nắng rồi có xâm rạp sạp đá cao rồi lâu thêm lại cả nạn dạng mạch đảm bày xua xạ xây Yes, of course. Mình tìm cục về bà trầm trâu hỏi. Presumably I will be ready tomorrow, but it all depends on the availability of the English translation rủi rõ đây có phần tay vẻ xây tên lời cả bộ prai ách xa ở bây lưu mùi xôn prầm phì mùi prầm phì dân đào chia chùm lại một phì mà chậm đồn ách xa cam phì chía để tiệm thuông tôn nâng xa xây phì thị xít nạp dư cư mùi bọn chất sập bà. So as long as there's no English translation, chắc bao giờ này khi mình toàn miền cả bộ prai chỉ biết sao ông lê chấm lời này tức cứ khi ông mình ai xua xạ xây tiền pì này bàn thế ai khi ông bưng thà cả bộ prai cái sao này cứ than đừng ai rồi đó chắp chắp này
Bien. Et pour le cas où il n'y aurait pas de traduction anglaise disponible demain, est-ce que vous pourriez être prêt pour interroger ce témoin la semaine prochaine, puisque je comprends qu'il y a une traduction au moins en France, et que je sens comprendre que vous avez quelques possibilités, quelques ressources sur votre équipe pour comprendre le français. Dans le cas où il y a une traduction anglaise disponible, est-ce que vous pourriez être prêt? Ça c'est vrai, je l'avais dit, mais I shouldn't go there. Donc, tant que ces deux déclarations ne sont pas disponibles en anglais, vous n'êtes pas prêt à procéder à l'interrogatoire. Correct. Mais vous avez dit que vous avez dit ដោយយើងបានស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសលោកមេធាវីបើទៅកូពេដែលជាម្ចាស់សំណើគឺបានច្បាស់លាស់ហើយភាសាខ្មែរគឺទំនងជាអាចប្រឹងប្រែងខិតខំធ្វើទៅបានឥឡូវថាតែយើងសម្រេចរួចថាយើងនឹងយកមកប្រដាប់បន្តស្ដាប់តែខ្មែរផ្ដើមប្រដាប់តែខ្មែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃស្អែកឥឡូវថាអត់កើតវិញឥឡូវយើងចង់សួរបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចទៅមិញឆ្លើយថាស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីណាឯកសារនោះត្រូវបានបកប្រែរួចរាល់ហើយឯកសារពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយបន្តពីយើងតម្រាច់ថាកោះហៅសាក់សីនៅមកថ្ងៃស្អែកឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចទៅលេងនិយាយច្បាស់លាស់និយាយខ្លីៗហើយងាយយល់បានណាយើងដូចជាបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញទៅរឿងដូចតូចសោះយើងដូចដល់ផ្លប់ដោះស្រាយរឿងធំៗស្មុគស្មាញច្រើនណាប៉ុន្តែដូចជាងាយស្រួលបើដល់ពេលមកដល់រឿង នេះតំណងជាងាយបែរជាបង្កើតបញ្ហាស្មុគស្មាញនាំឲ្យដូរត្រឡប់ទៅលិននៅក្នុងឯកសារច្បាស់ខ្លួនដូចជាមិនតំណងសោះ Insufficient So, have them clear the concept of the English version because the low-poor domain name, I think, is a simple one. អញ្ចឹងទំនងជាសប្តាហ៍ក្រោយក៏ធ្វើមិនបានដែរហើយទំនងជាឆ្នាំនេះធ្វើមិនបានទេតាមយើងស្ដាប់លោកនិយាយហ្នឹងវាទំនងឆ្នាំនេះធ្វើមិនបានទេ Um,
I will repeat my answer. I just want to ask a question. I understand our staff is just checking where this translation is. Oui, Monsieur le Président, j'ai des remarques à faire à ce propos. Parce que si la question de la langue se continue à se poser, on va avoir d'autres difficultés. Je crois savoir que concernant 2TCW920, il y a également un long entretien d'ICICAM qui n'est disponible qu'en français et en khmer. Alors j'espère qu'on ne va pas postposer également ce témoin qui doit comparaître par vidéoconférence mardi. En tout cas, je pense que la question de la langue mérite d'être en français, parce que pour demain, je comprends qu'un long document disponible uniquement en français qui sera intimement lié aux déclarations du témoin 2TCW 1069 présente des difficultés. À une semaine, je crois que les difficultés seraient plus ou moins levées. L'équipe de défense de Nunchia pourrait intervenir en Chambre, au moins deux avocats nationaux qui peuvent intervenir en Chambre, qui disposent de plusieurs francophones également, bien sûr, qui sont évidemment en français. I would like to ask the question on the internet. Une très courte observation, puisque mon équipe m'a dit que la traduction est faite en fait. Je ne sais pas si on parle de la deuxième déclaration de l'autre témoin, pas celui qui a été envisagé par la chambre 1069, mais de l'autre témoin qui serait déjà également disponible.
C'est ce qu'on vient de m'indiquer, mais peut-être qu'on peut envoyer du coup les informations au greffe pour que vous puissiez vérifier l'information pendant la pause déjeuner et que vous puissiez nous donner une réponse définitive à la reprise de l'urgence. Je vais vous donner une réponse définitive à la reprise de l'urgence. Je vais vous donner une réponse définitive. C'est le deuxième. C'est 2TCW670. បាទអរគុណហើយយើងនឹងបញ្ជាក់បញ្ហានេះនៅវេលារសៀលណាមុននៅរសៀលនេះពោះក្រោយពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ដើម្បីឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងខាងមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គការខ្លួនឯងបានពិនិត្យនិងបានប្រព័ន្ធមាននេះមកយើងបានល្អជាងនេះផងបាទតទៅនេះផ្ដោតការជូនទៅថាវិការពេលក្តីខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលចំពោះដើមដឹងរដ្ឋប្រាប់នេះរួមនេះ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la partie civile. Je m'appelle Je vous remercie. សូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីដើមម្ដងរដ្ឋវិញនេះបាញ់មិញគាត់ថាគាត់មិនបានគាត់មិនបាននិយាយថាគាត់បានស្បត់ទេតែគាត់និយាយថាគាត់អាចទៅស្បត់បានដូច្នេះអ្វីដែលបានលើកឡើងបាញ់មិញគឺមិនត្រឹមត្រូវទេ Ça doit être un problème dans la traduction parce que nous n'avons pas entendu ça en français. Très bien pour la clarification. Madame la partie civile, je voudrais vous poser d'abord des questions sur la période avant 1975 et notamment votre rencontre avec votre mari. Est-ce que vous avez rencontré votre mari dans votre village et est-ce que vous le connaissiez avant? Votre mariage. Quel est le nom sous lequel vous le connaissiez depuis votre naissance?
Vous avez indiqué que votre mari effectivement a rejoint la révolution, d'abord en tant que soldat. Nous sommes bien d'accord et j'ai bien compris vos clarifications qu'il n'avait pas de grade particulier dans l'armée de la révolution, c'est bien ça. D'accord, là je suis encore sur la période avant 1975. J'ai cru comprendre que votre mari était parti de votre commune en 1974. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quand vous l'avez revu pour la première fois après son départ de votre commune? Est-ce que vous l'avez revu pour la première fois lorsque vous vous êtes rendu ឡើងវិញនៅពេលណាដែរក្រោយពីពេលគាត់បានចេញពីឃុំរស់នៅនឹងទៅនោះលោកស្រីបានជួបគាត់ម្ដងទៀតឡើងវិញនោះនៅឆ្នាំណាដែរចាប៉ដៃខ្ញុំចេញពីឆ្នាំ974នេះទៅសមរភូមិទៅបាត់ដល់ពេលដាច់ 75 នេះខ្ញុំមកជួបលេងបានម្ដងក្នុងរយៈពេល Quand vous l'avez vu en 1975, c'était avant la chute de Phnom Penh, ou est-ce que c'était après le 17 avril? C'était avant ou après le 17 avril que vous avez passé ces 15 jours ensemble? ប្តីខ្ញុំចូលធ្វើការរត់នៅនឹងសាថ្មីនេះហើយលីសែងដាក់ក្លឹងខ្ញុំសុំច្បាប់ពីឃុំខ្ញុំសុំម្លេងមួយកើតម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយរហូតដល់ 78. Quand vous êtes allé rejoindre votre mari pendant ces 15 jours, est-ce que c'était également à Phnom Penh? C'était au même endroit, au marché central, où vous l'avez rejoint ensuite en 1978? Vous avez indiqué que pour avoir cette première permission, vous aviez demandé l'autorisation des autorités. Est-ce que pour votre départ pour Phnom Penh en 78, c'est également vous qui avez formulé la demande? Ou est-ce que vous savez si c'est plutôt votre mari qui a demandé? Est-ce que vous soyez autorisé à le rejoindre? អាញាធរខ្លួនឯងឬក៏ប្តីលោកស្រីទេជាអ្នកសុំច្បាប់ចេញពីលើទៅដើម្បីឲ្យលោកស្រីអាចមកជួបគាត់នៅភ្នំពេញបានចាកាលឆ្នាំ78នោះនេះថាទៅយកខ្ញុំមកចូលឆ្នាំនេះគឺទៅយកខ្លួនគេផ្ទាល់បណ្ដោយខ្ញុំមិនបានដឹងដែរស្ដាប់ឲ្យឃើញទៅទៅយកខ្ញុំថាមកលេងចូលឆ្នាំនៅភ្នំពេញហើយដល់មកលេងទៅក៏អត់បានទៅវិញទេThank you.
Vous voulez dire que vous n'aviez pas demandé l'autorisation au préalable à pouvoir rester définitivement à Phnom Penh? Donc, je veux dire que le Luxray n'a pas été demandé à Phnom Penh à Phnom Penh. Je veux dire que c'est comme ça. D'accord, donc là, quand vous dites qu'un véhicule est venu vous récupérer dans votre village pour aller à Phnom Penh, en fait, c'est votre mari qui est venu vous chercher, c'est bien ça? D'accord. Maintenant, j'en reviens à votre arrivée à Phnom Penh, au marché central. Est-ce que vous pouvez décrire le lieu dans lequel vous avez commencé à travailler? J'ai compris de vos réponses devant la chambre que votre travail consistait à préparer la nourriture pour les gens qui habitaient avec vous. Est-ce que vous pouvez dire où vous habitiez et si c'est bien là que vous prépariez la cuisine? Est-ce que vous pouvez préciser cela à la chambre? Et l'endroit où vous habitiez à ce moment-là, est-ce que c'était au sein des entrepôts même ou est-ce que c'était un bâtiment qui était séparé? Et là où vous faisiez la cuisine, c'était à l'endroit où vous dormiez ou est-ce que c'était du côté de l'entrepôt? À quelle distance se trouvait l'endroit où faisait la cuisine et vous dormiez des entrepôts de l'entrepôt d'abord? Et votre mari, dans la journée, lui, est-ce qu'il travaillait à l'entrepôt? Vous avez évoqué
deux personnes qui auraient été arrêtées en même temps que votre mari. Quand les avez-vous rencontrés pour la première fois? Je crois que c'est Ron et Ye. Je crois que c'est Ron et Ye. Ron et Ye. Il travaillait dans le même entrepôt que votre mari? Et pour combien de personnes est-ce que vous prépariez ces repas? Et pendant que vous prépariez les repas, qui s'occupait de votre enfant? J'en viens maintenant au jour où vous avez reçu l'information de l'arrestation de votre mari. J'ai compris de votre déposition devant la chambre que c'est votre fils de 3 ans qui vous aurait indiqué que votre mari serait parti en compagnie des deux personnes que vous avez évoquées, Ron et Ye. Est-ce que vous savez où votre enfant était au moment où il aurait vu le départ de ces trois personnes? Alors, je sais que de nombreuses erreurs ont été relevées dans le cadre de votre document, une déclaration de partie pris, de votre formulaire, mais je voudrais quand même vous opposer ce qui a été indiqué dans ce formulaire. C'est le document donc E3-6-4-2-5, ERN en français 0-1-1-5-2-6-9-2. ERN en Khmer 0-0-5-4-4-1-6-8 et en anglais 0-1-1-1-4-1-5-3. Vous avez déjà
indiqué à monsieur le coprocureur qu'il y avait une erreur dans ce document parce que votre mari n'a jamais été cadre, mais qu'il était ouvrier manutentionnaire. Et voilà ce qui est indiqué dans ce document. En parlant d'une éventuelle promotion, je cite, mais un mois à peine après son entrée en fonction, il a été arrêté dans son bureau situé au nord du marché central alors qu'il était en train de parler au téléphone et que j'étais sans doute à 100 mètres de lui. J'ai vu une Jeep avec trois cadres Khmer Rouge à son bord s'arrêter devant son bureau, qui lui ont demandé de monter à bord de leur véhicule. Puis ils sont repartis tous ensemble. Fin de citation. Donc dans cette déclaration, on comprend que vous auriez été témoin oculaire de l'arrestation. Est-ce que vous me confirmez bien que c'est une erreur, que vous n'avez pas assisté à cette arrestation et que c'est bien par le biais de votre fils de 3 ans que vous avez eu l'information? Alors j'ai une question du coup pour ce formulaire de déclaration par civil parce que vous avez indiqué à la Chambre, et vous avez d'ailleurs consulté une liste devant cette Chambre, vous avez indiqué que vous saviez lire et écrire. Qui vous a aidé à remplir ce formulaire de déclaration de partie civile et est-ce que vous avez eu l'opportunité de le relire? Donc ce que vous voulez dire, c'est que quand vous avez relu ces déclarations, votre esprit n'était pas très clair. Est-ce que vous voulez dire que vous avez pu donner une version différente et que c'est cette version-là qui a été consignée à cette époque-là? Est-ce que vous pouvez préciser ce qui s'est passé? Donc ce que vous voulez dire à la Chambre, c'est que les erreurs qui figurent dans votre déclaration que je viens de vous lire, ce sont bien des choses que vous avez dites à l'époque, mais que maintenant, aujourd'hui, devant la Chambre, vous corrigez cette version. C'est bien ça qu'on doit comprendre. D'accord, mais est-ce que vous comprenez quand même que
Il y a une différence entre voir un événement et de ses propres yeux et en entendre parler par l'intermédiaire de votre enfant. Donc, comme vous me dites vous ne corrigez rien, mais qu'en même temps il y a deux versions différentes, je voudrais être sûr, est-ce que vous confirmez bien que la bonne version que la Chambre doit retenir, c'est celle que vous avez donnée aujourd'hui devant cette Chambre? មួយណារបស់លោកស្រីត្រូវយកចម្លើយដែលលោកស្រីកំពុងតែឆ្លើយនៅទីនេះឬក៏យកចម្លើយយីលីលាក់អសររបស់លោកស្រីខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមខ្ញុំថាចំណែករូបខ្ញុំជាម៉ែនេះមិនបានឃើញទេតែកូនមិននៅលេងជាមួយឪពុកវាឃើញតែខ្ញុំសូសូវាទៅវាថាឪពុកវាគេដាក់ឡានតបាត់ហើយជាមួយបរុនបញ្ញានោះឯងខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមខ្ញុំចុះលីលាក់អសរជាមួយនឹងអញ្ចឹងដូចឯកសារក៏ដោយក៏ខ្ញុំនិយាយទៅរឿងការពិតទៅប៉ុណ្ណាទេដាក់ក Un dernier point que je voudrais aborder avec vous vous avez indiqué, je crois, répondant à ma consoeur des parties civiles, que vous aviez été, après l'arrestation de votre mari, emmené ensuite à Battambang pour faire de la riziculture. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition? Après la pagode, vous avez été envoyé à Battambang pour faire de la riziculture. Est-ce que j'ai bien compris? កន្លែងគេថាគេចាប់បញ្ចេញខ្ញុំមកជាមួយថ្ងៃប្តីខ្ញុំនេះគេឲ្យមកធ្វើស្រែនៅនឹងវត្តជ័យឥដំនេះទេតែផុតពីនោះទៅគេឲ្យទៅបាត់ដំបងនោះអត់មានធ្វើស្រែទេគ្រាន់តែដើរស្នាក់នៅព្រੂប្រទៅមកទៅមកទៅមកនេះឯងគេថាមិននឹងទៅមានបញ្ហាអីអីទេចេះតែទៅតាមគេតាមគ្នាតាមគ្នាមនុស្សច្រើនតែប៉ុណ្ណោះឯងទេធ្វើស្រែនៅវត្តជ័យឥដំនេះទេEt la pagode de Cheyodom, c'était à quelle période? Cheyodom, non, 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 Et vous avez indiqué dans le cadre de vos déclarations antérieures que vous étiez enceinte au moment où vous avez été emmenée. Est-ce que vous avez travaillé dans les rizières malgré le fait que vous étiez enceinte? អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថានឹងមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគេឲ្យលោកស្រីធ្វើស្រែឬយ៉ាងម៉េច?ចា៎ Cái ធ្វើដំណើរគេឲ្យចេញមកហើយមកដល់គេឲ្យច្រូតស្រូវបណ្ដោយខ្ញុំគេអត់មានសម្រាប់Combien de temps êtes-vous resté à cette pagode? Ta lok srai nou nang wat nang wat che dam nang os ryak pel proman dae. Khnyom mon a cham ban te, pon tae nou mon tan chrot ruoch phang ki banchun khnyom thveu tanar te mok tien mon nang ban proman thai proman atit te khnyom ot cham ban dae.Je voudrais une clarification sur ce que vous avez indiqué devant les coaches d'instruction, devant les enquêteurs des coaches d'instruction, et savoir à quelle période vous situez cet événement. Je fais référence au document E3-9479
Et vous aux réponses 31 à 33, au cours desquelles vous évoquez votre période à Battambang. Et je voudrais que vous me disiez à quel moment vous situez ce moment-là. La question qui vous est posée à la question 31 est la suivante. Quel travail deviez-vous faire à Battambang? Votre réponse, ils ne m'ont rien demandé de faire à Battambang, mais le chef d'unité nous a tout de même ordonné d'aller chercher des légumes pour la cuisine. Question suivante. Vous donnait-il du travail? Réponse 32. Sur place, à 4h du matin, les célibataires de Vera Massé du Padi, comme j'étais enceinte, ils me laissaient me reposer tranquillement. Question suivante. Vous ont-ils mis au travail après avoir accouché? Réponse 33. Après avoir accouché, je suis retournée à mon village natal. Il m'a fallu un certain temps avant de pouvoir rentrer chez moi. Donc ma question est de savoir quand vous évoquez cette culture de riz et le fait que vous étiez enceinte et qu'on vous a laissé vous reposer, à quel moment est-ce que vous situez cela? Combien de temps après votre départ de Phnom Penh? ខ្ញុំធ្វើស្រែដែលច្រូតស្រូវនេះក្រោយពីយកពេលចេញខ្ញុំពេញមកដល់ដូចថាមកដល់ថ្ងៃនេះស្អែកឡើងគេឲ្យកាន់កន្ទេលច្រូតស្រូវអត់មានឲ្យពេលសម្រាកឯណាព្រោះគេការងារគេទៅដងវងដងវងហើយគេឲ្យពួកខ្ញុំក៏ច្រូតស្រូវដែរខ្ញុំមានផ្ទៃពោះពោះ6000 7000ហើយគេឲ្យពួកខ្ញុំក៏ច្រូតស្រូវដែរខ្ញុំមានផ្ទៃពោះពោះ6000 7000ហើយគេឲ្យពួកខ្ញុំក៏ច្រូតស្រូវដែរខ្ញុំមានផ្ទៃពោះពោះ6000 7000ហើយគេឲ្យពួក
ចាស់ខ្ញុំសំទីម្លើយតែចុះក្នុងឯកសារនឹងស្ដាប់បានខ្ញុំឬមិនបានខ្ញុំមកក្នុងឆ្នាំ 75 នេះខ្ញុំមកចូលឆ្នាំយកខ្ញុំមកចូលឆ្នាំខ្ញុំរស់នៅជាមួយប្តីខ្ញុំគិតទៅពីខែ 4 ថាចូលឆ្នាំហើយថាខែ 4ហើយបែកគ្នាដល់ទៅខែប្រហែលខែ 12ហើយខ្ញុំតងន់ពោះ 7 Et donc ma question est de savoir à quel moment est-ce que vous êtes allé à Bat Dambong? Dak khnyom suor nung tha ta lok srei tau dal Bat Dambong nung nau khae na dae nau pel na dae. Khnyom vue mon cham dae la rung ni vue doy tha vue yu hai khnyom mon dang ngai khae nung proman thi proman dae pon kon khnyom kaet nau mong rusei dang tha kaet khae 3. D'accord. Monsieur le Président, j'aurais un dernier point à aborder avec la partie civile sur Monsieur Que Sampan, mais peut-être que vous voulez marquer la pause maintenant et nous terminerions après la pause. Monsieur le Président, je ne sais pas exactement de combien de temps, mais effectivement, je pense maximum 15 minutes, mais mon constat concernant a aussi des questions à poser à la partie civile par la suite. Je ne sais pas combien il y aura besoin, enfin, il y aura besoin de plus de temps que, si vous voulez, on n'aura pas le temps de terminer la partie civile avant la pause déjeuner. Bah, okay, je vais vous dire que 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 ສະຫຼັດສະຫຼັບໄຂກຳສັກໄສປີທີຊີ1066ອັງຈໍາເນະສໍາລັບຖ້າໃນລົງກອນໃດຈໍາເນະບັກຄົນໃນແຕ່ກໍຫາສັກໄສຮູບນີ້ມາປໍຕະໄຂກຳໃນថ្ងៃສະອາດດໍແດລປະຕໍປີສະດັບໄຂກຳສັກໄສປີທີ1 រៀបចំរួចរាល់នៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់នេះហើយនេះតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គជំនះសាលាដំបងបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអរិយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 1 កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញយុវជនបន្តចំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទរងចាំសម្រាប់ស័យដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាក់នេះនេះក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់